Salut à tous, donc on était à la fin d'un dialogue avec Briggs, bah, qui apparemment accepte gentiment de se faire enfermer. Et j'ai complètement oublié de faire un truc à Madra, dommage. Ah, donc Pierce est innocenté. Mais malheureusement, on pourra pas l'avoir tout de suite, Pierce. Donc, moi, ouais, je vais devoir retourner à Madra parce que, comme un con, bah, j'ai fait de la merde. Il a foutu, mais c'est pas grave. C'est le porte-parole du groupe. Voilà, donc il veut nous remercier. Clac. Voilà, il est gêné parce qu'il a rien pour nous remercier. Voilà. Voilà. Voilà, et on va faire ce qu'on peut pour le bateau, mais en fait vous verrez qu'on ne peut pas le réparer complètement. Donc là en fait j'ai oublié un truc complètement, j'ai complètement oublié un truc à Madra, ce qui fait que bah, là ça va faire de la merde, parce qu'en fait, vous allez voir, voilà, apparemment je pouvais faire tomber le pain là, pour le donner à un gosse dehors, ce qui me permettait d'entrer à un certain endroit de la ville, mais je peux pas parce que j'ai oublié de prendre l'objet qui permet d'avoir la synergie. Alors je vais vous montrer hein, comment faire. Vous allez voir qu'on peut pas, mais bon, on va commencer quand même. Alors on fait tomber ce truc déjà. Ça. Ouais, ça aussi on peut tomber. Voilà. Et on déplace ce truc. Ah. Donc ça c'est fait. Là faut faire enfoncer. On va d'abord remonter. Hop. On va faire relier. Donc ouais, je dois retourner à Madra du coup. Je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû le faire quand on y était. Bon, de toute façon, j'aurais dû y retourner un jour ou l'autre à Madra donc. Ben voilà, on va faire. Pardon. Merde, comment on fait maintenant? Thank you.
Ah oui. C'est un peu le bordel. Faut retourner dans l'autre sens, de ce côté, je veux dire. Bon, ça, j'étais pas obligé de le faire maintenant, j'aurais aussi pu le faire plus tard, parce que le gros rocher, on ne pourra pas l'enlever. Tout de suite. J'aurais pu le faire plus tard en revenant et tout faire d'un coup, mais bon. Je le fais maintenant, comme ça sera fait, quoi. Ça revient même. De toute façon, dans le jeu, je serais obligé de faire plein d'allers-retours. Et là, si on essaye de faire un truc, je sais pas moi, déplacer par exemple. Vous voyez, on peut pas. Et hop, une petite scène. Voilà. Donc, je l'ai dit, c'est foutu. Après, on va aller. D'ici et on va rejoindre le maire puisqu'il nous a dit qu'il nous fera une petite récompense. Non, ah ouais, non, putain, c'est pas cher. Alors, et là, vous voyez, généralement, faut lui donner la miche de pain. Sauf qu'on ne peut pas. Eh ouais, c'est chiant. Hein. Donc il va falloir retourner à Madra. Mais avant, on va aller voir le maire. Putain, mais il n'y a jamais rien. Le maire, je ne sais plus où est-ce qu'il est exactement. Ça, on s'en fout pour l'instant. Ah, le voilà. C'est tout? Putain, c'est juste ça, sa proposition. C'est tout bête la mienne, franchement. Bon, alors, on va. Ah, attendez. Putain, il n'y a jamais rien. Bon, on va se casser d'ici. Enfin. Et Madra, ouais. Donc, je sais pas si je fais l'aller-retour à Madra tout de suite ou. Si le pain, j'attendrai. Ouais, écoutez, Madra, j'y retournerai plus tard. Parce que sinon, on va perdre du temps. Parce que là, on va rentrer dans une phase de jeu très sympa. Vous avez parlé de 4 rochers, là. Il y en avait un par élément. Et bon, on va aller dans l'un d'eux. Dégage. Voilà. Donc là on va retourner. Ah mais quoi qu'on peut passer par là maintenant? Ah bon, pas la Madra alors. Je crois. Ouais, on peut. Yes. Ils ont réparé le pont.
Bon, on va le faire maintenant alors. Ah non, merde, ils vont pas réparer le pont. Eh merde. Bon, bon j'attendrai qu'ils le réparent. Enfin, une fois qu'ils auront réparé le pont, je passerai par là. Je ferai le truc avec le pain là et tout. Ah, voilà. Il y a des vidéos. Le problème dans Golden Sun, c'est qu'avec les dialogues et tout, des fois il y a des vidéos où il se passe rien quoi. C'est pas la faute de Golden Sun, surtout de la mienne. Mais bon. Donc là, on va descendre et on va passer par là. Vous voyez le panneau Sud Rochère. Si on tombe, on peut plus jamais remonter. Enfin, plus jamais. Pour l'instant, on peut pas. Voilà. Et on va aller. On va aller à Rochère. Et ça, vous allez voir que les trucs de Rochère et tout le bordel, c'est super. Alors, voilà, il suffit de faire tourbillon dessus et ça envoie un tourbillon. Voilà. Alors, par contre, je vous préviens que c'est très long. On sait pas la plus longue là, bien sûr. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a une, deux, il y en a quatre en tout, mais elles sont toutes assez longues. Mais bon, ça, c'est sympa donc. Ça devrait durer plusieurs vidéos normalement. Parce que les vidéos font que 20 minutes. Hein. Quand on joue des heures, on s'en rend même pas compte. Sauf quand on regarde des vidéos, c'est déjà plus long. Quoi. Ouais. Donc je continue par là. Elle m'a bien niqué, je m'y attendais pas. Ok, j'ai compris, je vais y aller comme ça. Dans la terre apparemment. Les boutons sont maturés quand même. De toute façon, il passe et peur là. Voilà. Ah non, il prend pas la terre. L'eau, non, le feu, ok. En fait, c'est pas parce que ça craint pas le vent, le vent que ça craint la terre en fait. Hein. C'est pas trop logique, mais bon. Le vent. Ah. Heureusement, ça donne de l'XP. Parce que vu le temps qu'on a perdu, on a gagné un porte-bonheur, voilà. Là, on peut pas passer. On perd beaucoup de temps avec les combats aussi. Sommeil.
Enfin, c'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit les noms des persos en US et en Jap. Je vous avais pas dit les noms du 1 en US et en Jap. J'avoue que je les connais pas. C'est peut-être les mêmes qu'en français d'ailleurs. Enfin, pour les US. On va passer par là. On va avancer petit à petit. Hein. Et ça, ça peut vous rappeler l'attaque d'une des armes de Golem 1. La rapière, je sais plus quoi elle s'appelle, je crois. Rapière elfique, je crois. Alors, ça c'est bon. C'est fait. Attendez. Dur de pas se paumer. Hein. Voilà, donc ça c'est fait, maintenant on va récupérer les coffres et monter. Plume sacrée, je crois que ça sert à avoir moins de combat. Ouais, c'est ça. Non, je vais pas monter tout de suite. Je vais d'abord récupérer les coffres. Oui, en général, je vais récupérer tous les coffres. Hein. Bon, des fois, si je sais que c'est des coffres où il y a des conneries dedans, genre de l'antidote noisette, des trucs comme ça, bon, je vais pas les récupérer. Mais sinon, en général, toutes les armes, les reliques, tout ça, hein. Je préfère pas les louper, quoi. Je préfère montrer un maximum de trucs. Alors à quoi ça sert, cookie, je me rappelle plus. Ça augmente une stat aussi je crois. Ouais. Un maximum de PP. Je le mettrai elle. Parce que plus tard elle aura un sort de soin sur tout le monde qui est utile. Donc voilà. Je crois que j'ai déjà fait ça. Non. Je lui dis c'est assez long, hein. Et là c'est que le début en plus. Il n'y a rien d'autre, ok. Ça permet de voir la carte. Donc voilà, on va bientôt se quitter. Tout de suite d'ailleurs je crois, juste après, hop, ok, un fumigène, génial. Donc voilà, on se quitte, donc à la prochaine, salut.